La petite. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment je vais tondre cette petite boule de poils. Parce que les lapins angora anglais ont besoin d'une à deux tontes par an, minimum. Parce que la chaleur, quand il y a de la chaleur, c'est pas bon qu'ils aient tous leurs poils. Donc là, je vous présente Tisane. Ça, c'est le bébé de monsieur, comme je vous l'avais déjà expliqué. J'ai déjà fait Toupette, donc aujourd'hui, c'est Tisane qui y passe. Donc, j'ai une tondeuse. Et on va faire sa tonte tranquillement ensemble. Alors, c'est parti. Ninon va m'aider à la tenir. Comme ça, ce sera plus simple. Parce que, bon, elle a que 2 mois. Donc, elle n'a pas encore le truc de rester calme. Et là, on va enlever la... On va pas la raser à ras non plus. Hein. On va juste enlever le surplus de poils. Parce que, bon, c'est pour son bien-être. Et enlever le poil de bébé pour que le poil d'adulte ne se mélange pas avec. Voyez, elle est pas contente, petite mémère. Donc, pour que le poil d'adulte ne se mélange pas avec. Et puis, que son poil devienne super beau, quoi. C'est ce que j'ai fait à Suzanne. J'espère que vous allez bien m'entendre et que ça va pas faire trop de bruit par contre, parce que là on est sur une vieille tondeuse. J'investirai prochainement dans une nouvelle tondeuse. Mais bon, petit à petit, on devient moins petit. Donc là on lui enlève le maximum de poils au niveau de son dos. Parce que c'est pareil, je vous montrerai les cages tantôt. Et donc... voyez, regardez tout ce que ça fait des autres parties. Donc dans les cages, ils n'ont pas de copeaux comme les autres lapins que vous pouvez voir en animalerie ou ce que vous voulez. Ils ont des litières. Donc les filles, c'est des litières à chat. Donc on met des morceaux de granulés de bois dedans. Et puis ils vont faire leurs besoins dedans. Il y a juste à changer la litière. Mais par contre, les granulés, des fois, se mettent dans leur poil. Et donc, ça fait des bourres. Donc, pas super. Bah là, je vais vous en montrer un, par exemple. Donc, normalement, ces brossages... Elle n'est pas d'accord. Vous inquiétez pas, là, pas mal. Hein. Parce qu'il y a des éleveurs ou des gens qui revendent les laines de lapin angora et qui, eux, carrément, arrachent le poil des lapins. Soit disant qu'ils n'ont pas mal, mais je trouve ça un peu barbare, hein, quand même. Hein. Donc, je vous montre. Et c'est une petite criseuse, hein. Attendez, regardez. Je vais vous montrer. On va arrêter ça 2 secondes. Et là, au niveau du poil, vous avez le bois décomposé qui fait des nœuds, en fait. On va essayer d'enlever ça, parce que mademoiselle va se remettre dans ses poils. Donc c'est parti, on le met de côté. Donc un côté, bon certes vous verrez que c'est pas égalisé partout. Hein. Bon là je crie maintenant, j'ai l'impression que la tondeuse fonctionne encore. Alors, vas-y, Ninon va mettre ça déjà dans le sac poubelle. Merci, merci. Vous voyez, c'est une coquine. Une coquine. Si elle peut vous manger, elle va vous manger. Crapulette. En fait, c'est la celle qui a le plus de caractère de toute la portée. Elle est comme son papa. Son papa aussi a beaucoup de caractère, n'est-ce pas, Ninon? Oui. Parce que le papa, c'est le lapin de Ninon. Et la maman, c'est ma lapine. Et donc, voilà, nous sommes grand-mère. Et c'est parti, on continue. Hop. Donc, comme ça, tout le poil de bébé va partir. On va faire attention à son pompon.
parce que là ça serait bête. Là voyez, là il y a encore une espèce de bourre due à la litière. Et bon, après j'ai pas non plus une tondeuse professionnelle comme en institut pour lapin, hein. Enfin pour lapin de toilettage, pardon. Et puis là, autant le faire maintenant vu que ce matin la cage a été faite. Donc au moins tout est fait aujourd'hui. Hop. C'est dingue en fait le nombre de poils qu'ils ont. On pourrait faire un deuxième lapin avec tout ce qu'on enlève. Non, je ne veux pas rester. Non, non, non. Eh ben si, si, si. Diablotine. T'inquiète pas, après t'auras une bonne petite friandise. Ah ouais, parce qu'en plus, ces jolis petits lapinous, ils ont une petite friandise à la fin, comme ça, la fois d'après, ils savent que, oh, bah, je vais être gentil, je vais être toute sage, toute calme, comme ça, j'aurai quelque chose. Ne vous inquiétez pas, ça, ça rentre très vite, hein. Bon, là, problématique, je dois pas couper le pompon. Parce qu'il y a un petit problème là. Voilà, là c'est bon. Alors là, si tu peux me tourner toupette de l'autre sens. Toupette. Tisane. Vous voyez, je me trompe de la place, ça va pas le faire. Hein. Allez. Bah, par contre, si tu mets ta main, je te rase. Oui, exactement. Oui, moi je veux aller à la vidéo. Vas-y, moi, c'est moi la star aujourd'hui. Coucou les copains. Elle est folle. Avant de faire ta star, faut être belle, ok? Allez, on débourre. Hop. Regardez-moi ça. Vous voulez une perruque? Alors là, ça serait plutôt une perruque pour votre grand-mère, parce que bah, c'est du gris ou du blanc. Hein. Allez, c'est parti. Oh, elle est belle. Moi, qu'elle est belle, ma chérie. Eh? Oh, donne-moi... Ah oui! Et faites attention, les câbles. Si vous saviez comme sont... Ils sont rapides. Ils sont en semi-liberté à la maison. Et ce qui arrive, c'est que... Ben, j'ai pas fait attention et j'ai laissé mon câble de boxe traîner. Et puis d'un coup, il y a Thibaut qui se radine et puis... Maman, la télé, elle va plus. Oh. Bah, vas-y, remets-la en route, ça doit être une mise à jour, hein. Ouais. Et remets tout en route. Mais ça ne va toujours pas. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est Suzanne, la fille qui a été non, en agro-scampi. Bah, il y a une fois... Bon, enfin, c'est un des deux grands. Suzanne, après, scampi et scampi. Qui a été mordillé en un coup de croc, n'est-ce pas? Les câbles. Et donc, et ben là, t'as pas l'air con parce que t'as fait le bouillie. Et puis, j'ai un problème, mon câble, il est abîmé, puis t'essayes de rien dire. Puis en fin de compte, tu te rends compte que il y a beaucoup de gens qui ont des lapins, parce que la femme au téléphone qui te dit « Vous avez un lapin ?» Bah ouais. Mais ça va. Vu comme c'est des arnaqueurs, ils sont quand même sympas, ils nous ont donné un... un cap gratos. Parce qu'ils se méfient quand même, hein. 10 ans que je suis chez eux, 10 ans. Eh ben, il n'y a que des problèmes. Mais soi-disant, c'est partout pareil. C'est partout France. C'est là qu'ils pensent. Elle est débile. Allez, c'est parti. On attaque le devant. Ah non, hein, si tu fais ça, tu vas plus être jolie. Hein. Bon, n'ayez pas peur, c'est pas de la martyrie. Elle martyrise pas. Hein. Voilà. Allez, crotte de bique. Elle va finir avec des trous tellement elle est nerveuse. Et là, je suis en train de... Bientôt, je vais vous éternuer dessus, hein. Ça commence à me chatouiller le nez. Allez, la gratouille. Bon, je vous montre pour l'instant ce que ça donne.
Eh, mademoiselle, mais t'énerve pas, voyons. Voyez? J'ai perdu de la touffe. Ninon, tu montres ce qu'on a là et sans compter qu'on a déjà mis dans le sac au moins pareil. Donc c'est déjà pas mal pour un petit lapin de 2 mois. Je vous dis même pas quand c'est Suzanne, quoi, ou Scampi, hein. Hein? Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tailler derrière les oreilles. Les oreilles, je les touche pas parce qu'elles sont belles. Je vais tailler derrière les oreilles, tailler là parce que ça a déjà été commencé. Et puis enlever là les bourres. Regardez là, les bourres. Regardez ça, Miss Cracra. Alors on y va, puis après on fait le bidon. Et puis après, j'aime bien aussi faire, c'est les dessous de pattes parce qu'ils jaunissent dû à la litière. Parce que bah ils vont quand même beaucoup dans la journée à la litière. Et bah ils n'ont pas le choix. Donc comme c'est des lapinous blancs, bah voilà quoi. Donc on va faire juste léger, retirer le jaune du pipi. Alors on est reparti. Allez, c'est parti. Alors là on va faire. Oh là là, mais là il faut pas que tu bouges, mais. C'est très 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 dangereux ce que tu me fais là. Hein. Bon après Toupette, elle a pas la même tête parce que elle, je lui ai pas touché la tête. Donc ça fait genre un doudou, le lapin grosse tête. Vous avez le corps tout fin et une tête énorme en fait. Donc chacun a sa coupe. On pourra la chercher après. Ouais, après on ira vous la rechercher pour vous la montrer. Pour voir la différence entre les deux petites. Bon, ne vous inquiétez pas, même si on touche les moustaches, ça repousse. On fait rien de mal. Parce que je sais que la première fois, et encore maintenant, hein, malgré tout, je fais ma maline là, mais des fois j'ai quand même peur de ce que je fais. Donc là, la tondeuse, ça va nickel parce qu'on peut pas leur faire mal. Par contre, quand je fais au ciseau, comme Suzanne, ça va, elle reste très calme. Par contre, Tisane, je préférais même pas essayer parce que. Elle est tellement nerveuse, j'aurais peur de la blesser. Surtout qu'avec eux, on est obligé de prendre des ciseaux de coiffeur. Parce qu'ils ont quand même massacré tout, quoi. Hein. Oh bah dis donc, ouais. Bon, de suite, vous verrez, ça fait vraiment bizarre hein, quand on les coupe. Hein. Mais après, ça repousse super beau. Hein. Ninon vous montrera aussi... tantôt dans une vidéo, je pense Scampi, ça serait pas mal de leur montrer ton petit Scampinoché. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Voilà, on essaye d'égaliser. Hop, les patounes. C'est ça, au moins, c'était pas... je sais pas ce que je coupe tellement il y a de poils. Respiration dans les poils. Eh, en vrai, on pourrait faire une fête avec tout ça. Oh, confetti! Ah, c'est vraiment dommage qu'avec la télé, on n'a pas genre les odeurs, le toucher. Ah, vous auriez pu toucher ça, c'est une tuerie, quoi. C'est agréable comme pas possible d'avoir un lapin comme ça. En plus, franchement, ça fait une bouillotte. Oh là là, là là là, il y a encore du poil. C'était caché par une main. Donc, on va retourner, remettre correctement les choses. Et t'as le cul de biais ou quoi, Otto? Tu m'as le foutu, grand-mère. Eh, touche pas mon trou de balle. Allez. Par contre, il faut faire attention. Ouais, j'ai oublié de vous dire. C'est que... Il faut faire attention que la tondeuse ne soit pas trop chaude non plus pour pas les... brûler, quoi. Parce que j'aime pas trop moi quand ça chauffe. Parce que quand vous coupez quelqu'un, vous le sentez quand même. La coiffeuse, elle vous fait vos cheveux. Si c'est chaud, vous le sentez. Ben eux, c'est pareil. Hein.
Bon, alors, montre-moi comme tu es jolie. Regardez ça! Regardez! Ça fait trois lapins, là! Alors, montre-moi ton petit binou. Voilà ton visage. Aïe! Une mordaise en puissance. Alors, montre-moi. Les chanterettes. Allez, un petit coup de patoune, là. On va enlever le maximum de crétratisme. Ce qu'il y a, c'est que si vous voulez la pas comme ça, franchement, il y a de l'entretien. On peut pas dire genre... ouais, on veut ça, mais on s'en occupe pas, on n'a pas le temps de s'en occuper. On veut un lapin en cage, non, c'est mort quoi. Déjà, le lapin adulte, tu l'as, il te fait entre 3 et 4 kilos. Le lapin dans la cage, il est triste. Tout ce que tu peux, c'est là vraiment, il faut le sortir quoi. Faut le sortir, faut l'entretenir, faut le nourrir 2 fois par jour. Allez, vas-y. Il faut... Mange pas ma tondaise, hein. Ouais, donc voilà, faut changer sa litière. Là, en plus de la litière de la cage, on a une litière aussi dans le salon, comme une litière de chat. Hein. Et donc les bébés, la maman, le papa vont faire leurs besoins là-dedans. Ah, j'aime pas trop ça, mais laisse-moi mon visage, mais je suis déjà belle. Je sais, tu es très belle comme ça. Chipperlick. Mon Nino, par contre là, si tu veux bien me la mettre genre sur le dos, comme ça je fais son bidou. Alors déjà on va faire les pattes, allez. Alors les pattes ils aiment pas trop, moi je suis con, je dis ouais vas-y, je suis sûr ils sont chatouilleux, bon. Va le prouver, j'en sais rien comment. Va falloir que je fasse une étude sur les lapins chatouilleux maintenant. Mais, vous voyez, il y a de la bourre même là, avec la litière, ce qui est logique. Donc, il y a du poil, hein, faut y aller, hein. Entre deux, là aussi, il faut démonter tout la tondeuse parce que sinon, il y a des poils qui se poissent dedans et là, vous avez plus la même qualité de tonte. C'est ce qui a été fait il y a peu de temps, là. Et ouais, je pense qu'à mon avis, toutes les 2-3 tontes, il faudrait le faire, quoi. Vous allez voir cette princesse, comme elle va être belle. Et après, c'est tout de l'amour, quoi. Mais vous, peut-être vous passez du temps avec eux, peut-être que vous leur faites tous ces soins et tout ce qu'il y a à faire. Nous, de cette là, ça a été une, comment dire, une portée surprise, parce que Scampi a été castré, mais apparemment, il a réussi à avoir Suzanne peu de temps avant. Et donc, ça a été une portée surprise. Et que c'est genre, moi je suis pas éleveuse quoi, c'est pas mon trip. Je peux pas, je suis trop attachée. Déjà que là qu'il faut je ne peux pas tous les garder malheureusement. Niveau financier c'est impossible. Et franchement je me tords les boyaux quoi. Je suis en train de chercher vraiment des familles qui sauront s'en occuper, qui vont être là pour eux, qui vont pas les laisser dans un coin où ils seront heureux, c'est ce qui m'importe. C'est pas c'est pas l'argent en soi. Parce que regardez, malgré vous avez des éleveurs, moi en plus c'est des super des bonnes lignées. Les lapins, je pourrais les vendre entre 250 et 350 euros. Les lapins, je les ai mis à 80 euros quoi. 80 euros pour juste dire qu'ils sont dans une bonne famille. Et encore, je trouverais quelqu'un qui me dit, écoute,
ça me fait cher, mais je te promets, je m'en occupe bien, je te montre ce que j'ai prévu pour lui à la maison, nani nana. Bah ouais, bah vas-y, y a pas de problème. Je peux pas, moi ce qui m'intéresse c'est leur bien, leur bonheur, c'est tout. Donc voilà, c'était la petite minute larmichette. Maintenant on arrête. Allez, on continue de raser. Regardez-moi cette beauté. Alors Nino, peux-tu me la tenir un peu plus haut? Faut que je coupe ça. Et allez voir cette petite boule. Tu veux que je te rase? Allez, on y va. Comme ça, ça lui fera du bien. En plus, j'ai vu que la semaine prochaine, on retombe dans des températures qui atteignent les 30 degrés. Ouais, malgré si tu es dans le nord, on a des fois de la chance d'avoir des températures plus élevées. Mais sauf que pour les lapinous, ben, l'idéal, c'est ça. De leur retirer le maximum de poils. Attention, poupoune. Ah non, mais elle en a marre, là. Mais qu'est-ce qui m'embête, hein, quand même? C'est pas possible. Ah bon, après, si ça va pas, qu'elle en a vraiment marre, quand c'est comme ça, je les laisse de côté et je me réoccupe d'eux plus tard. Ça sert à rien de les embêter comme ça. Il vaut mieux qu'elles soient calmes. Bah, tisane, calme. Enfin. Mais il vaut mieux qu'elles soient calmes. Donne-moi une menotte. On la voit même plus, attends. Hop. Regarde, ah bah voilà une petite tête de Nino. Regarde, regarde ma bougie. Elle a bougé, mais c'est pas grave, c'est dessous. Regardez, voyez, le jaune part. Hop. Puis après, bah, son père va lui mettre un petit coup de brosse. Hop. Allez, on y va. Hop, on va enlever les bourres. Et la deuxième. Vous voyez, là tout jaune, dans peu de temps, tout blanc. Au revoir le pipi. Au revoir le pipi. Ah ouais, puis bah, aussi, faut acheter les coupe-griffes, les brosses. Ah, tout court. Ah, ça va, j'ai de la main-d'œuvre, vous voyez. Je suis pas toute seule. Que si vous êtes tout seul, bah c'est compliqué même pour un lapin. Parce que vous voyez, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous la tient. Hein. Qui vous la tienne, qui vous la tienne, qui vous la tient. Bon voilà. Nous sommes dans un nouvel environnement qui s'appelle Poel. Vous voyez? Alors voilà, je lui laisse un peu plus sur le visage. Coucou. Voyez-vous, comme je suis belle. Je suis la star. Maintenant, je suis belle, je suis calme. Je me vois dans la caméra, je me dis, mais mince, est-ce moi qui est si jolie? Mon Dieu, mais oui, c'est toi qui es si jolie, voyons. Bah, alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tisane vous dit à bientôt pour de nouvelles... Bah, vous voyez, elle est déjà pressée de s'en aller faire sa belle devant les mâles. Bon, pour de nouvelles vidéos. Et on vous montrera les autres la prochaine fois parce que là... Ça va être déjà 23 minutes. Donc, ça sera bien comme ça. Hein. Allez, ciao, ciao, Bello!